J'ai fait un voyage à Dakar un peu, comme ça j'ai pris ma guitare et je suis parti un peu à l'aventure. J'ai rencontré ton ami qui m'a abordé aimablement dans la rue et il m'a dit qu'il connaissait un chanteur ici, un musicien à Dakar et que certainement on aurait des choses à se dire. Moi, je suis venu en studio sans rien, j'avais rien écrit. Et voilà quoi, quand j'ai écouté la musique, automatiquement ça m'a plu. Et c'est ce qui est devenu Dakar Ndiaye qu'on a tourné en vidéo finalement. Dès qu'on a fait la prise dans le studio, bah, j'ai vu que c'était un grand monsieur. Yoro parlait d'universel dans la musique et je pense que dans la musique comme dans les attitudes humaines, l'universalité est partout. Je savais que j'avais beaucoup de choses à apprendre de lui parce que lui il fait la rumba et la rumba moi je trouve que il y a des similitudes avec notre musique qui est le mbalax. Pour moi c'est un échange culturel. On est sur un axe Paris-Dakar mais qui n'a rien à voir avec les motos ni les rallyes, ce serait un Paris-Dakar culturel plutôt, musical. Voilà. Je crois que c'est une bonne chose qui pourrait vraiment intéresser la mairie de Dakar ou bien le ministère de la Culture. Je fais appel aussi à la mairie de Paris. Ouais, bien sûr. On fait Paris-Dakar. Paris-Dakar, Dakar-Paris. Paris-Dakar culturel. Dakar Ndiaye. Merci. Peace.